tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera, comme vous l'aurez vu dans le titre, le Color Makeup Challenge. C'est un challenge qui avait été créé par Audrey de la chaîne Audrey Marshmallow il y a plus d'un an de ça, je crois que c'était fin 2017 si je ne me trompe pas. Et quand j'avais vu sa vidéo, je l'avais trouvée géniale et je m'étais dit il faudrait que je la refasse. Et le temps passe, on oublie et voilà. Donc aujourd'hui, plus d'un an, presque un an et demi plus tard, je la fais. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce challenge, en fait, le challenge c'est de piocher au hasard, j'ai écrit sur des petits bouts de papier, différentes parties de mon visage et différentes couleurs, et voilà, ça sera le hasard. C'est-à-dire que je pourrais avoir peut-être un blush noir, un contouring rose, voilà. À savoir que je vais utiliser exactement les mêmes pinceaux et les mêmes techniques que je fais d'habitude, c'est-à-dire que moi le contouring par exemple je n'en ai jamais sur le front ni ici, donc je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire que même si je tombe sur un contouring rose ou noir ou etc, je ferai ici et le nez tout comme je fais d'habitude, je vais estomper comme je fais d'habitude, voilà, j'ai vu certaines youtubeuses reprendre ce challenge et par exemple tomber sur un contouring, je dis n'importe quoi, violet, et mettre deux bandes violettes et ne pas du tout estomper. Non, moi je veux vraiment le faire vraiment avec les techniques. Alors je dis pas que mes techniques sont les meilleures du monde et que c'est comme ça qu'il faut faire si on est professionnel et tout ça, c'est pas du tout ça. Mais voilà, faire comme je fais exactement les mêmes techniques avec les mêmes pinceaux que je fais d'habitude. D'ailleurs j'ai pris mes pinceaux sales parce que je me dis que si je tombe sur un blush noir, après j'irai laver mon pinceau à blush, voilà. Et donc je vais utiliser exactement les mêmes techniques que je fais tous les jours pour me maquiller en fait. Donc voilà. C'est parti. Je pioche tout d'abord une partie de mon visage. Alors, nous commençons donc par la muqueuse. Et donc la muqueuse qui sera orange. Alors du coup, en crayon muqueuse, je n'ai que du noir ou du bleu ciel. Donc je n'ai pas d'orange, donc je vais mettre du fard à paupières, à savoir que c'est quelque chose que je fais de temps en temps, mettre du fard à paupières directement dans ma muqueuse quand je veux une couleur que je n'ai pas en crayon. Mais il serait peut-être judicieux qu'un jour, j'investisse dans des crayons muqueuses de différentes couleurs. Surtout que là, c'est un peu la mode des couleurs, etc. Bref, donc pour faire ce challenge, j'ai pris cette petite palette, enfin j'en ai d'autres, hein. J'ai pris la cargaison de palettes, voilà, parce que... Voilà, cette petite palette d'Huda Beauty est très colorée, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais prendre le orange qui est là et je vais l'appliquer dans ma muqueuse. Donc, je vais faire juste la muqueuse inférieure, hein, pas supérieure. Donc, voilà. Voilà, ma muqueuse est à présent orange. Ouf, j'en ai mis dans les yeux. Je reprends une partie de mon visage au hasard. Donc... le mascara. Alors, le mascara... Alors, je vais d'abord piocher la couleur. Parce que si je tombe sur noir, ça va être simple. Bleu. Alors, le mascara, je n'en ai que du noir. Du coup, ce que je vais faire, je pense, c'est appliquer du noir. Et ensuite, mettre du fard à paupières tout de suite derrière bleu. Et pour ça, je vais utiliser l'autre petite palette d'Huda Beauty. Qui a plein de bleus. Et je pense que je prendrai ce bleu-là mat. Alors... donc le mascara, je prends celui-ci, j'avais pas envie d'utiliser mon Marc Jacob, voilà, j'avais pas envie de l'user parce que juste après je vais aller me démaquiller, nettoyer comme ça. On pioche à nouveau une partie du visage au hasard, donc le ras de cils qui sera... jaune. Alors, le ras de cils, je le fais toujours avec ce pinceau. Quoique, on va prendre... enfin, mon ras de cils, je vais prendre un pinceau comme ceci. Ça dépend. Des fois, je fais avec ça, des fois, je fais avec ça. Mais celui-là, il est tellement sale, là, maintenant, que je vais prendre celui-là, même si j'ai un peu moins l'habitude. Et donc, je vais prendre ce jaune-là, que j'adore. Ce jaune-là du milieu. Et je vais faire, donc, mon ras de cils. Bon, on voit pas grand chose malheureusement. Alors, ensuite, on va passer à la bouche. Et elle sera rose. Un peu déçue, hein, un peu trop classique à mon goût. Mais du coup, ça va être facile de trouver un rouge à lèvres rose. Je vais prendre ma palette comme ceci, où il y a plein de couleurs de rouge à lèvres, dont du rose.
Et donc je vais prendre ce rose-là. Est-ce que j'ai pris mon pinceau à rouge à lèvres? Hop. Je vais peut-être finir avec un rouge, un maquillage que je vais pouvoir tout à fait assumer. Ceci dit, on n'a pas encore fait le contouring et le blush. Hein. Donc voilà une bouche rose. Bon, pour le moment, c'est pas très très fun. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais mascara bleu, c'est classique. En plus, j'avais pas du bleu, j'ai une... Pour le moment, c'est assez classique. Hein. Un peu de fun. Je vous jure que je ne triche pas. Au contraire, moi, j'avais envie de tomber sur une bouche noire ou blanche. Ou... Voilà, ça m'aurait fait kiffer, mais non. Alors, ensuite, nous en venons au blush qui sera doré. Alors, en doré, j'ai cette petite poudre là, elle est toute petite. Donc, comment je vais faire le blush. Normalement, j'utilise ce gros pinceau pour le blush. Mais là, j'ai peur que... Ouh là 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 là. Ça fait de la cata. Oh ! Ça fait plus de light que du blush. Mais ceci dit, en estompant, encore une fois, ce n'est pas si pire que ça. Oui. C'est pas possible, ce challenge est trop classique. Vous allez penser que je triche, hein. Mais non, mais moi j'avais trop envie de tomber sur genre du blush noir ou des trucs comme ça. Ça aurait été rigolo, tu vois. Non. Pour l'instant, honnêtement, oh, on sait pas comment ça va finir après. Mais honnêtement, pour le moment, j'assume de sortir comme ça sans souci. Hein. Alors ensuite, le fameux contouring. Contouring blanc. Blanc. J'ai trouvé un fard blanc. Est-ce qu'il y a un fard blanc là-dedans? Oui. Ok. Alors, comme je vous disais, je vais exactement faire le posé comme je fais habituellement. C'est-à-dire que en général, je fais ça. Oh, mais ça se voit pas, mais c'est nul. Mais c'est trop nul en fait. Ça se voit pas. Bon, forcément, c'est blanc. Ouais. Remarque, si je vais prendre du blanco, ça se verra peut-être un peu plus, mais. Je suis pas sûre que ma peau aime. Mais franchement, j'ai envie de le refilmer presque avec des couleurs cheloues. J'ai mis des couleurs cheloues. Enfin, c'est pas que j'ai pas mis de couleurs cheloues, c'est juste que je tombe sur des couleurs. Enfin, on fait pas de contouring blanc, mais je veux dire, y a rien de rigolo. Ça se voit pas. Voilà, et après, en général, j'estompe comme ça. Il n'y a même pas besoin d'estomper là, parce que ça se voit pas. De toute façon, comme ça, au moins. Tout le monde va penser que je triche. C'est pas drôle. Je suis pas une tricheuse, moi. J'ai horreur de la triche. Alors, le coin interne de l'œil, qui est là, je vais le faire en vert. Ça, c'est du vert. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, ça, c'est du vert. Donc, je vais utiliser ça. Puis, écoutez, ça fera l'affaire. Hop, alors, coin interne. J'ai pas l'habitude du tout de commencer par le coin interne. C'est très perturbant. En général, mon coin interne, je le descends un petit peu ici. Parce que vous me voyez, comme j'ai pas de retour. Voilà. Bon, je vais faire pareil de l'autre côté et j'estomperai après, une fois que j'aurai posé les autres fards. Parce que normalement, après, je prends un pinceau estompeur et je floute le tout. Mais là, vu que je commence par le coin interne, je vais pas y faire tout de suite. Hop. C'est pas tout à fait pareil des deux côtés. C'est très perturbant de se maquiller dans ce sens-là. Bon, voilà pour le coin interne pour le moment. Ensuite, nous allons continuer avec les sourcils que je vais faire en rouge. Ah, bah là,
On s'amuse. Alors, j'ai un crayon à lèvres rouge que je vais aller tailler. Donc j'ai taillé, comme vous pouvez le voir beaucoup, mon crayon à lèvres rouge. Si c'est pas suffisant, je rajouterai du rouge à lèvres. Oh, si ça a l'air d'être suffisant. Mes sourcils, en plus, je les ai pas du tout épilés. Faut que je les épile. Ouh là là. Je fais vraiment comme je fais d'habitude, hein, comme je vous le disais. Sinon, mes sourcils sont bien rouges, je pense que ça se voit. Bon, là, le maquillage commence à partir en cacahuète. Bon, il ne reste plus que le fard à paupières, normalement. Donc là, nous avons la paupière mobile que je vais faire en violet. Est-ce que j'ai du violet, là? Oui, là, j'ai du violet. Alors, paupière mobile en violet. Je vais prendre mon petit pinceau. Hop. Et enfin, il reste le creux de paupière, si je ne me trompe pas. Et je crois qu'on n'a pas utilisé le noir. Voilà, creux de paupière noir, ça va être quelque chose, à mon avis. Qu'est-ce que je fais pour le creux de paupière? Je prends toujours un pinceau comme ceci. Là, j'ai encore ma palette Huda Beauty, dans laquelle il y a un joli noir. Creux de paupière en noir. Mais sinon, bon... Je vais faire mon creux de paupière après en noir. Mais à part les sourcils rouges un peu bizarres, sinon le reste du maquillage, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas fun. Pas fun. Je suis déçue. Bon, creux de paupière en noir. Mon Dieu. Donc voilà, ce maquillage tout en couleur est maintenant terminé. C'était assez rigolo ce challenge, un peu le suspense de savoir quelle couleur va être ma partie du visage. Un peu déçue par mon tirage au sort, hein. Voilà, et pourtant je vous promets, je n'ai pas triché. Parce que, à part les sourcils rouges qui choquent un peu, sinon même le creux de paupière noir, finalement, c'est pas si choquant que ça. Ça assombrit un peu le maquillage. Moi, j'aime bien les maquillages, surtout en ce moment où il fait beau, où c'est le printemps. J'aime bien les maquillages un peu plus peps, un peu plus... voilà, mais sinon, en soi, c'est pas si choquant que ça, je trouve. Voilà, mon blush, mon contouring, c'est normal, quoi. J'ai vraiment eu du bol, on va dire, entre guillemets, sur ce point-là, et je mets du bol entre guillemets, parce que franchement, j'aurais bien aimé avoir un blush noir ou un contouring rouge, ça aurait été rigolo, quoi. Non, bon, le sort en a décidé ainsi. Donc voilà, écoutez, moi, je vais taguer Jessica de la chaîne Jessou Family. Si jamais tu passes par là, bah, ça me ferait plaisir que tu fasses ce petit challenge à un moment où tu auras le temps. Et puis voilà, si jamais vous n'êtes pas tagué, mais que vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'irai voir vos vidéos, parce que du coup, j'en ai regardé plein après avoir vu celle d'Audrey. Parce qu'il y a plein de youtubeuses qui l'ont repris et j'ai trouvé ça, enfin voilà, c'est une vidéo que je trouve assez sympathique à regarder. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker comme d'habitude, à partager, aussi à commenter, voilà. Et puis abonnez-vous à ma chaîne si cela n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao !